Bienvenue sur ma chaîne Twitch ou YouTube en rediffusion. Aujourd'hui, un beau petit vol, comme vous avez pu lire dans le titre. On va découvrir Paris ensemble. Et j'ai décidé de le faire avec ce petit deltaplane. J'appelle ça un deltaplane, mais je suis pas sûr que ça s'appelle comme ça, parce que le deltaplane, je pense que c'est juste ce que j'ai sur le dessus, puis qu'avec le moteur et tout ça. Je me rappelle plus comment ça s'appelle, mais bref, on va le faire avec ça. Je sens que ça va être le fun, on va se promener, et j'ai fait un petit tracé qui va nous amener à Versailles, et par la suite vers la Tour Eiffel, pour ensuite aller vers le Musée du Louvre, après ça Notre-Dame de Paris, et atterrir à l'aéroport Charles de Gaulle. Voir un petit peu les attraits touristiques qu'il y a dans le coin de Paris. Donc, si ça vous tente, nous allons commencer sans plus tarder. On va s'élancer dans les airs pour se diriger vers le château de Versailles qui devrait être environ vers nous. Donc, allons-y, mesdames et messieurs, et bienvenue sur ma chaîne. N'oubliez pas de partager, liker et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sans plus tarder, nous nous lançons dans les airs. Et on va voir Paris qui va se développer sur nous. On devrait apercevoir bientôt les châteaux de Versailles devant nous. Puisque je crois que ce petit canal d'eau en fait partie. On va essayer d'aller un petit peu moins vite. Et de prendre un petit peu d'altitude. Réduire notre vitesse un petit peu. Et on se met comme ça ici. On va voir un petit peu à l'intérieur. On a les châteaux de Versailles juste ici. Alors qu'on a les jardins, probablement, qui sont ici. Voici le château de Versailles. Et si ça vous tente, si jamais vous avez un Oculus Quest 2 ou n'importe quel VR, en fait, si vous allez sur Google Street View avec vos VR, dans le château de Versailles, vous pouvez entrer à l'intérieur et le voir en VR. On va repasser en vue extérieure un peu. On va voir que c'est situé ici. Et voilà. Et nous allons en direction de Mademoiselle la Tour Eiffel. Je suis jamais allé à Paris, donc je connaissais pas la disposition de la ville avant de faire quelques petites recherches avant de faire ce vol-là. Vraiment en direction vers la Tour Eiffel.
J'ai eu des petits problèmes techniques avec ma caméra dans mon dernier live. Je sais pas si elle va recommencer, mais j'essaie une autre solution. J'ai changé de port USB pour la caméra. Voir si ça va régler mon problème ou pas. Sinon, c'est pas grave. Si la caméra arrête, on continue le live quand même. L'important, c'est d'avoir l'image vidéo de l'avion. Donc, Paris. J'espère qu'ils ont au moins modélisé la tour Eiffel. Et certaines villes où ce que les modèles sont pas merveilleux. Puis il y a d'autres villes où c'est juste fou. New York est pratiquement toute modélisée. Selon l'itinéraire que j'ai fait, on devrait passer près de la tour Eiffel pour ensuite aller au musée du Louvre, qui devrait se trouver pas très loin. Donc on la voit, la tour Eiffel, elle est là. Elle s'en vient tranquillement. On va passer près de la tour Eiffel. Je crois pas que légalement je pourrais passer aussi près d'une tour. Mais bon. C'est une simulation. Qui est ici, la tour Eiffel est là, elle est modélisée. Là, on est présentement à 1800 pieds. Donc, on est à peu près à hauteur de la tour Eiffel. Quand même merveilleux. Quand même un monument historique. Ensuite, on se rend vers le musée du Louvre. Les Invalides. On voit juste là-bas le musée du Louvre. Présentement au musée du Louvre de Paris. On reconnaît la pyramide au centre. Et ensuite, on devrait s'en aller vers Notre-Dame de Paris. J'ai fait des recherches et on m'a dit qu'il était dans le coin ici. Regardez voir si c'est vraiment le cas. Je crois qu'il est peut-être pas modélisé par contre. Est-ce qu'on...
ça devrait se trouver ici en ce moment. Malheureusement, je crois qu'il n'est pas modélisé ou que j'ai peut-être pas le bon endroit. Suite, on devrait s'en aller vers. Je sais pas c'est quoi ça là-bas. Basilique du Sacré-Cœur. On peut passer par là avant d'aller atterrir. Hein? On visite la ville en même temps. Quelque chose qu'il y a à visiter. Vous voyez tous les points d'intérêt, on les voit là. J'aimerais faire un live sur la muraille de Chine. On suit la muraille de Chine d'un bout à l'autre. Je sais pas avec quel genre d'avion on pourrait le faire. On va se permettre de se promener un peu. Plus difficile à contrôler qu'un avion. Un avion, c'est plus stable. Je vole quand même bas. Pour essayer de voir un peu la disposition de la ville. Faire un petit tour autour de la tour. Petit tour autour de la tour. En théorie, si vous venez à Paris, à partir du Québec, où est-ce que je suis, probablement que vous allez atterrir à l'aéroport Charles de Gaulle, qui est l'aéroport où est-ce qu'on va atterrir nous avec notre deltaplane. Et ici, notre superbe tour, encore une fois. Si vous voulez une meilleure perspective, on est dans la... Et on tourne autour d'elle. Alright. On va prendre notre itinéraire pour aller à l'aéroport Charles de Gaulle.
reprendre un peu d'altitude. Il y a beaucoup de vent. C'est très dur de rester stable. C'est quand même une grande ville, hein, Paris. On est revenu sur notre itinéraire. Il devrait nous conduire jusqu'à l'aéroport. J'espère que vous appréciez le vol en ce moment. Ça vous tente à un moment donné de faire un vol un peu plus commercial? Pas de problème. En jet ou en... Jet privé. Ou en... Même en vol commercial, les Airbus ou les Boeing. Bien de voir l'aéroport, c'est réputé pour être une grosse aéroport, donc j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça a l'air.
Vous en faites pas, dans les prochains let's play, on va. Les prochains streams, on va retourner un peu dans la cambrousse. Puisque je préfère les endroits qui ont pas été souvent visités plutôt que les endroits touristiques. Parce que je découvre plus dans ce temps-là. J'ai moins d'itinéraires. Je sais pas si on pourrait faire un vol de nuit un moment donné aussi, ça serait bien. Donc, lentement mais sûrement, on arrive à l'aéroport Charles de Gaulle. Parce qu'on voit des avions en bas là. Et on voit des pistes d'atterrissage. J'aurais pu me poser sur la piste qui est là, mais je vais aller me poser sur la piste qui m'est attitrée. Je sais pas si le contrôleur va m'attitrer une piste, je crois pas, parce qu'il me l'aurait déjà attitré. Donc on va pouvoir se poser probablement sur n'importe quelle piste. Mais de toute façon, j'ai pas demandé non plus. Est-ce qu'il m'en attitre une? Donc on regarde un peu. Ouais, c'est vrai que c'est gros, hein? C'est vrai que c'est gros. C'est comme une petite ville en soi. Il va falloir choisir une piste pour notre atterrissage. On a quand même une piste ici qui est là. Une plus courte de l'autre côté. On a une piste de l'autre côté. Là. Je crois qu'on va choisir celui-là ici. On va aller... atterrir sur la deuxième piste au fond là-bas. On va amorcer une petite descente pour se rendre jusqu'à la piste qu'on veut atterrir. Au début, quand vous allez commencer avec Flight Simulator, ça va être vraiment dur de gauger les distances de qu'il faut prendre pour atterrir. Puis surtout si vous changez souvent d'avion comme moi, ce qui réagissent toutes pas de la même façon. Surtout un delta plane, c'est dur à atterrir.
Et voilà notre petit tour de Paris qui se termine à l'aéroport Charles de Gaulle sur un atterrissage tout en douceur. Et voilà. Donc, j'espère que vous avez aimé ce petit live qui nous a fait faire un petit peu le tour des attraits touristiques de Paris. Je sais qu'il y en a des milliers, mais j'ai fait les ceux que je connaissais et qui sont le plus souvent parlés. Donc, si vous avez aimé ça, n'oubliez pas de partager, liker et vous abonner. C'est tout le temps merveilleux de savoir que j'ai un abonné de plus. Donc, sur ce, merci beaucoup à tout le monde. En espérant que on se revoit dans un prochain live.